Bonjour à tous, je vous retrouve encore dans une nouvelle vidéo, toujours aussi simple, toujours hyper facile, hyper rapide et avec très peu d'ingrédients. Aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter mon petit tiramisu fait en 3 minutes avec du yaourt de coco que je vous ai déjà présenté. Je prends du spéculoos, évidemment, je suis belge donc j'aime le spéculoos. Je prends un peu de vanille, un peu de sirop d'érable pour sucrer le tout et puis j'assemble simplement avec les spéculoos, le yaourt de coco. Et aussi, j'ajoute évidemment des petites framboises pour donner plein de fraîcheur et surtout le goût des framboises, moi j'adore et ça change vraiment tout. Alors vous ferez un peu comme vous voulez par rapport aux quantités. Moi j'aime bien que ce soit pas trop sucré et j'aime bien le goût vanillé. Vous pouvez aussi ajouter un peu de confiture, par exemple de myrtille ou de framboise. Ça sera très bon aussi, ça donnera un petit goût sucré en plus. Vous faites un peu à votre instinct et je pense que c'est le plus facile quand on cuisine avec l'instinct et on ne doit pas avoir de vraies recettes. Laissez reposer au frigo au moins une heure, au plus vous attendez, au plus ce sera meilleur. Et voilà, vous avez un petit tiramisu vegan revisité, tout simple, avec très peu d'ingrédients. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et abonnez-vous à ma chaîne pour être tenu au courant des nouvelles recettes, toujours aussi simples, saines et gourmandes. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisous, bisous, ciao, ciao.